Tschernowny Państwo, Mesdames, Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Kernkompetenz Nachbarschaft, eine Zukunft. Bienvenue, Mesdames et Messieurs. Lors de notre événement, s'occupant du voisinage, une compétence clé est un enjeu d'avenir pour l'Europe. Je suis directrice exécutive de la Fondation, ensemble avec mon collègue M. Kopmann, ici au sein de la Fondation Gensagen. Donc ici, il y a des interprètes chez nous, au château, il y a nos collaborateurs, collaboratrices avec nous, mais vous, mesdames et messieurs, vous devant les écrans, j'aimerais bien vous souhaiter la bienvenue. Donc la Fondation Gensagen, c'est un lieu d'échange à l'échelle européenne, traitant des sujets divers, surtout avec nos pays voisins, comme la France et la Pologne. Donc, nous travaillons sur le champ politique de notre dialogue européen, mais également dans la culture. Donc, des sujets qui sont importants pour nous s'occupent de la durabilité. Ce sont des sujets qui sont importants pour notre époque d'aujourd'hui. Donc, en 2019, ensemble, avec tous les chefs projets venant de la politique et de la culture, nous avons essayé de trouver une approche beaucoup plus précise pour joindre les forces et pour développer des idées clés, par exemple des approches différentes. Donc, nous avons organisé des événements sous forme de projets d'art ou bien des discussions ouvertes ou bien sous forme des projets éducatifs. Donc, notre résultat, c'est notre projet dont nous avons parlé aujourd'hui, le voisinage, une compétence clé et un enjeu d'avenir pour l'Europe. Donc, nous parlons du voisinage aux échelles différentes, à l'échelle européenne, au niveau européen. Donc, et nous parlons également de la numérisation, des différences entre les points de vue des générations différentes. Et pour commencer, nous avons en 2020, dans le mois de mars, nous avons élaboré un film différent reflétant des voix différentes parlant du voisinage. Donc, ce que c'est ce concept du voisinage. Donc, avant la flambée de la pandémie, nous avons traité les sujets suivants concernant l'Europe en général, l'idée, le concept du voisinage. Et je crois que c'est un très bon début pour une bonne introduction à notre sujet, à notre soirée aujourd'hui. Donc, ce film sera en allemand avec des sous-titres en anglais. Donc, ce film ne sera pas traduit, mais les autres contributions seront bien sûr traduites. Donc, en bas, vous avez ce petit bouton sous forme d'un globe et vous pourriez appuyer sur ce bouton pour choisir votre langue. Et maintenant, c'est le film qui commence. Que le film commence. Wenn wir unseren European Way of Life, Demokratie, Sozialstaat, wenn wir den in Zukunft verteidigen wollen, behalten wollen, dann müssen wir in Europa ein Europa guter Nachbarn sein. Eine gute Nachbarschaft ist für mich Menschen, die, wenn sie unterschiedlich sind, sie kommen aus verschiedenen Ländern, haben verschiedene Gewohnheiten, verschiedene Interessen und Projekte, können zusammen mit gegenseitiger Achtung, Toleranz und Respekt zusammenwohnen. Die Europäische Union hat heute 27 Mitglieder. Ganz schön unübersichtlich. Schon in der Schule kann man bei einer derartigen Klassengröße schwerlich mit allen befreundet sein, alle gleichermaßen gut kennen. In diesem Europa hat Deutschland freilich nicht 27 Nachbarn, sondern 9, die Schweiz einmal mitgerechnet. Macht das die gute Nachbarschaft schon einfacher? Ich glaube nicht, allein schon der Sprachen wegen.
eine gute Nachbarin kann mit einer guten Übersetzerin verglichen werden. Man bemerkt sie nur, wenn etwas schief geht. Wenn man einen Unterschied sieht oder das Gefühl hat, dass etwas nicht ganz stimmt. Ein guter Nachbar zu sein bedeutet auch, zu akzeptieren, dass jemand anders ist als ich. Und das ist okay. Also gute Nachbarschaft bedeutet für mich ein ständiger kommunikativer Austausch, als auch die Neugier, voneinander zu lernen, um aneinander als auch miteinander zu wachsen. Meine Nachbarschaft ist ein Kultur- und Wohnhaus, ein selbstverwaltetes Projekt in Berlin-Mitte. Aber meine Nachbarschaft ist auch diese belebte Straße, wo neu auf alt trifft. Und für mich ist die Nachbarschaft vor allem die Vielfalt. Vielfalt, die wir selbst gestalten. Gute Nachbarschaft kann darum nur bedeuten, dass einer dem anderen zuhört, etwa die Argumente des anderen respektiert, gerade wenn er ganz anderer Meinung ist. Bei neun Nachbarn ist das schon ganz schön schwierig. Bei 27 wird es erst recht anstrengend. Doch ohne diesen Respekt und ohne geduldiges Zuhören wird es nun mal nichts mit der guten Nachbarschaft in Europa. Gute Nachbarschaft heißt auch, neugierig, aber nicht zu neugierig zu sein. Fürsorglich, aber nicht zu fürsorglich. Eine gute Nachbarin ist auch eine physische Körper, die einem hilft, wenn 2000 Facebook-Freunde nicht da sind. Gute Nachbarschaft kann man nur erzielen, indem man zusammenarbeitet. Wir brauchen Zusammenhalt, wir brauchen Kompromiss, Verständnis füreinander. Das ist hart zu erarbeiten. Aber nur so haben wir eine Chance, Europa nach vorne zu bringen. Ja, liebe Gäste der Stiftung Gänsehaut. Donc, chers invités, chers participants, chers invités, Monsieur Bartmann et chers voisins et voisines, bien sûr. Parce que si vous, mesdames et messieurs, nous sommes des voisins, nous sommes des voisines, et aussi de ma part et au nom de notre partenaire Alliance Europe, j'aimerais bien vous souhaiter la bienvenue, mesdames et messieurs. Donc, nous avons vu dans le film que le voisinage, c'est un sujet divers et c'est un concept divers. On ne peut pas choisir nos voisins ou voisines, ni le pays, ni les personnes qui habitent à côté de chez nous. Donc, nous n'avons pas le choix. Donc, nous sommes des personnes, nous sommes des êtres humains, nous habitons dans nos quartiers, dans nos villes, dans des villes, en campagne. Et nous habitons dans des quartiers des villes, d'une grande ville, dans un quartier qui est le voisin d'un autre quartier. Des villes sont des voisines, des autres villes, des États sont des voisins. Et l'Union européenne a quand même une relation assez difficile avec ses voisins dans l'Est ou dans l'Ouest, ou dans le Sud. Mais quand même, il a des institutions qui sont différentes, qui sont organisées au niveau différent en Europe. Donc, en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons créé cette nouvelle organisation, l'Union européenne, donc l'intégration européenne, avec l'objectif de réduire des frontières, de créer un bon voisinage, de changer, de réorganiser le voisinage et de réorganiser le fondement de ce voisinage. Mais on remarque un bon voisinage, surtout quand le voisinage ne fonctionne plus, quand il y a un dysfonctionnement. Et c'est ça, c'est notre point de départ, ou c'était le point de départ pour nous, pour notre projet, pour commencer à travailler sur le voisinage en Europe. Donc, c'est notre point fort, c'est notre thème central de la Fondation Gensagen. Et notre sentiment, c'est que le voisinage en Europe est quelque chose qui est mis en question et c'est un problème. Donc, parfois, c'est fait de manière explicite, mais également de manière implicite. Donc,
Il y a des tendances vers la droite, donc il y a des frontières qui sont fermées dues à la pandémie, dues à la situation actuelle. Et il y a également dans l'Est, il y a des problèmes armés ou bien des situations dans lesquelles l'armée s'en mêle dans l'Est. Donc, nous souhaitons investir dans l'Europe, dans l'avenir de l'Europe, et c'est notre objectif lors des deux années à venir, ou bien nous sommes juste au milieu de ce projet, d'investir dans l'Europe. C'est notre sujet de ce soir. Et encore quelques mots concernant le format d'aujourd'hui. Donc, c'est une manifestation en ligne. Donc, Angelika Eder ont déjà parlé. Donc, le thème central de la Fondation Gensagen a commencé il y a à peu près un an. Nous avons prévu beaucoup d'événements, des beaux événements ici à Gensagen avec les invités, avec ici sur place à Gensagen. Mais c'était la pandémie est venue, la pandémie a commencé et nous avons trouvé de trouver une autre manière. Donc, il y avait par exemple une compétition de photographie polonaise et allemande. Nous avons également organisé d'autres projets. Nous faisons partie d'un projet médiatique avec France Média Monde et la Deutsche Welle. Parlant ou traitant le sujet du voisinage du point de vue des médias. Aujourd'hui, nous souhaitons jeter un regard à ce sujet, donc construire la cohésion, le voisinage en Europe. C'est notre titre d'aujourd'hui, ou bien le voisinage, une compétence clé. Et en même temps, c'est également un enjeu d'avenir pour l'Europe. Donc, nous allons en parler aux échelles différentes. C'est compliqué quand même, c'est un bon objectif et notre modérateur, notre facilitateur, c'est Monsieur Bartman, notre modérateur, qui est le directeur du côté Institut de Varsovie depuis 2016. Il a fait une bonne carrière au Goethe-Institut à Munich, à Prague, à Copenhague et avant d'aller à Varsovie, il était récemment à New York. Donc, il s'occupe de ce sujet du voisinage, aussi du point de vue transatlantique. Donc, à cause de la pandémie, il est à Hambourg en ce moment. Donc, vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes en train de travailler dans d'autres contextes qu'en général, car il y a la pandémie, ou nous sommes juste au milieu de la pandémie. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien vous, mesdames et messieurs, j'aimerais bien vous adresser. J'aimerais bien vous demander de mettre vos questions dans le chat. Donc, s'il vous plaît, vous pourriez mettre vos questions dans le chat, en bas de votre écran, et nous essayons à répondre à vos questions. Last but not least, tout d'abord, j'aimerais bien remercier notre partenaire, donc Alliance Europe, le réseau soutenu par l'Université de Nantes. J'aimerais bien remercier nos souteneurs, donc le ministère des Affaires étrangères et également le Fonds citoyen franco-allemand et de nos fondateurs. Et j'aimerais bien remercier notre équipe sous l'égide de Noémie Kaufmann et les autres. Donc, merci beaucoup pour cette organisation. Merci à la technique. Merci aux interprètes également. Donc, ensemble, nous essayons à organiser, à réaliser une bonne soirée. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'être venus, entre guillemets. Nous espérons d'avoir la possibilité de vous revoir dans l'avenir. Donc, c'est tout de notre côté. Donc, merci beaucoup de nous joindre. Merci beaucoup de nous joindre à notre voyage en parlant du voisinage. Donc, bonne soirée et beaucoup de plaisir. Donc, merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, Monsieur Kopman, cher
Angélique Archer, représentant de la Fondation Gensagen. C'est vraiment, c'est dommage que je n'ai pas eu la possibilité de, ou jamais eu la possibilité de venir à Gensagen, mais j'espère de pouvoir le faire dans l'avenir. Donc, je suis très content d'être le modérateur d'aujourd'hui. Donc, Monsieur Kopman a déjà dit beaucoup d'informations, nous a donné beaucoup d'informations sur le voisinage. Je trouve que c'est très intéressant. Il n'y a pas de théorie du voisinage, mais je trouve que c'est un concept très intéressant, une approche très intéressante, car il y a beaucoup de praticiens et praticiennes qui travaillent sur ce champ. Donc, je crois qu'il y a, en ce qui concerne la théorie du voisinage, il y a une théorie de M. Zlatadok qui s'appelle théorie de l'époque après-guerre, et concernant les relations franco-allemandes d'aujourd'hui, il dit que c'est influencé par une ignorance positive quand même, donc bienveillante, parce que dans le passé, les relations franco-allemandes étaient, disons, influencées par l'ignorance bienveillante. Il y a aussi d'autres relations des voisins qui s'ignorent. Donc, parlant de ce concept, le concept de la Fondation Gensagen, je crois que la compétence clé, c'est le voisinage, car c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, j'aimerais bien le nommer l'attention, le respect bienveillant, donc l'attention bienveillante dans son propre pays, ou bien dans sa maison, ou bien au-delà des frontières en Europe, ou bien même au-delà des frontières de l'Europe. Vous connaissez le programme. Nous commencerons avec une petite présentation d'une invitée, de Madame Nathalie Nogared. Tout d'abord, j'aimerais bien vous souhaiter la bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir ici. Et après, donc Nathalie Nogared, elle est journaliste française. Elle a travaillé pour Le Monde et maintenant elle travaille pour The Guardian à Londres. Elle est rédactrice en chef de la série Europe Now. Et je crois qu'elle est à Paris en ce moment. Donc, elle n'est pas à Londres comme l'habitude, mais là, elle est à Paris et elle a à peu près 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes de parler de l'approche ou bien d'une nouvelle approche médiatique pan-européenne, un moyen pour mieux appréhender nos enjeux de voisinage en Europe. Maintenant, allez-y, Madame Nogared, c'est à vous. Vous avez... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe, et merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là avec vous et je vais essayer d'ouvrir la discussion avec une idée clé qui est une idée qui me tient énormément à cœur. Quand on regarde l'Europe aujourd'hui, on sait qu'au-delà des difficultés actuelles que nous vivons, eh bien, il nous reste beaucoup de choses à construire ensemble, entre voisins. Et l'une de ces choses à construire, et qui est à mon avis cruciale, c'est de faire émerger un espace médiatique européen commun. Autrement dit, construire un véritable espace public européen. Cet espace public européen dont parlait Habermas il y a déjà beaucoup d'années. Et pour cela, après une longue carrière dans le journalisme, j'ai passé 30 ans dans le journalisme en France et maintenant avec un média britannique, le Guardian, je suis arrivée à la conclusion qu'un ingrédient important serait de faciliter l'émergence d'une nouvelle approche médiatique pan-européenne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là l'éclosion en Europe d'un paysage médiatique fait de nombreux projets, de nombreuses initiatives médiatiques qui traversent les frontières, qui impliquent des journalistes de nationalités et d'origines différentes, diverses, qui soient plurilingues, et la technologie permet cela, ou va le permettre de plus en plus, de surmonter les difficultés de traduction, et un espace médiatique qui soit pluraliste, pas homogène, bien sûr. Je pense que cette aspiration de voir émerger cet espace médiatique commun est de plus en plus partagée par une jeune génération de journalistes et de créateurs de médias digitaux. Et je voudrais vous en parler
en quelques minutes. Mais avant de rentrer dans ce cœur du sujet, je voulais mentionner, pour lui rendre hommage, Daniel Vernet, qui était un journaliste français qui nous a quittés il y a quelques années, un grand Européen que la Fondation connaissait bien et qui était un ami de la Fondation et qui est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné et beaucoup appris dans mon parcours de journaliste. Il était ancien directeur du journal Le Monde. Je voulais le mentionner parce qu'il était très attaché à la notion de voisinage et de cohésion entre Européens. Pour moi, le lien entre le monde des médias et la notion de voisin ou de voisinage est évident. C'est un lien évident. Mais je voulais vous emmener quelques minutes dans les années 1960. Un universitaire américain, Marshall McLuhan, avait écrit sur l'impact de la télévision, sur la manière dont les gens pensent, sur la manière dont ils nourrissent leurs espoirs et comment ils se situent les uns par rapport aux autres. Le livre de Marshall McLuhan, qui est devenu un classique, s'intitulait « The Global Village », le village mondial, le village global. Marshall McLuhan avait anticipé, je crois, une bonne partie du débat que nous connaissons aujourd'hui autour des réseaux sociaux, le phénomène de la polarisation, les bulles cognitives, les passions identitaires, les fake news. Ce n'est pas le sujet de mon propos maintenant, mais je m'attache à la notion du village européen. Comme Marshall McLuhan parlait du village global, que peut-on dire du village européen tel qu'il est créé par l'univers médiatique ? Le paysage médiatique de notre continent est aujourd'hui structuré par des médias qui sont basés tous dans des États-nations. C'est un paysage médiatique fait de structures nationales. Bien sûr, beaucoup de ces médias nationaux peuvent être de grande qualité. J'ai travaillé pour plusieurs d'entre eux, et il y en a beaucoup d'autres. Et bien sûr, ces médias nationaux regardent vers l'extérieur du pays où ils sont basés. Souvent, d'ailleurs, pas suffisamment, mais ils le font, mais je dirais pas souvent, pas assez fréquemment. Toutefois, quand ils s'intéressent aux voisins, donc quand ils regardent à l'extérieur des frontières de leur État, eh bien, il se trouve que leur couverture, et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée, leur couverture médiatique, la façon dont ils hiérarchisent l'information, les choix éditoriaux qui sont effectués sont souvent, le plus souvent, dictés par des préoccupations nationales, par des débats centrés sur des réalités nationales et en particulier des débats de politique intérieure. Donc, ils ont un prisme national. Et c'est normal parce que la dimension nationale de ces médias est inscrite dans l'identité et même dans l'histoire, dans la naissance même de ces médias, que ce soit des journaux ou des télévisions nationales. Ils sont tous nés, la plupart, au 19e ou au 20e siècle. Alors, je suis sûre que vous avez tous un avis sur la qualité du travail des médias et que vous êtes conscient des menaces qui peuvent peser sur la liberté et le pluralisme de l'information, ingrédients vitaux pour la démocratie. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les journalistes qui font un travail difficile dans des pays où la liberté du journaliste ou la survie des médias indépendants est menacée. La situation des médias en Pologne aujourd'hui suscite des inquiétudes. Pas seulement en Pologne, mais je mentionne la Pologne car nous sommes dans cette équation-là aujourd'hui, France, Allemagne, Pologne. La question que je voulais évoquer avec vous, c'est la suivante. Peut-on imaginer un paysage médiatique en Europe qui serait adapté au XXIe siècle ? Par là, je veux dire un paysage médiatique qui ne serait pas donc articulé sur la seule dimension nationale, une agrégation de blocs nationaux, si vous voulez, et un paysage médiatique qui serait plus adapté à nos enjeux d'aujourd'hui et aux enjeux qui préoccupent les citoyens, c'est-à-dire trouver des solutions aux problèmes. Et je pense qu'on est tous d'accord que face à de nombreux problèmes, voire face à des menaces communes, eh bien, il faut trouver des réponses communes et donc de la cohésion. Et cela passe par une meilleure compréhension, une meilleure écoute,
une meilleure visibilité de la réalité chez nos voisins, entre voisins. Est-ce que vous pensez qu'on se connaît si bien que cela en Europe ? Je ne veux pas dire seulement entre différents pays, je pense au fait qu'il y a en fait de multiples Europes. Il n'y a pas seulement l'Europe des États-nations, il y a l'Europe des jeunes ou des personnes âgées, il y a l'Europe des villes ou des campagnes, il y a l'Europe du pourtour méditerranéen ou celle du Nord, il y a l'Europe de la recherche, de la technologie la plus avancée et celle des zones industrielles en déshérence. Il y a l'Europe des artistes, il y a l'Europe des médecins. La liste est longue, hein. On peut continuer en la liste de tous ces croisements, toutes ces strates qui transcendent, qui parcourent le continent et qui dépassent l'échelle nationale. Au fond, il s'agirait d'aborder l'Europe comme un continent de réalité humaine et non pas seulement l'Europe de la chronique des luttes ou des discussions au sein des institutions de Bruxelles, aussi importantes soient-elles. L'Europe s'est réunifiée voici plus de 30 ans et je fais partie sans doute, comme plusieurs d'entre vous, d'une génération qui a été profondément marquée par 1989, un moment d'espoir et d'ouverture extraordinaire, mais aussi avant cela, j'ai été marquée par la consolidation de la démocratie dans l'Espagne post-Franco. Je viens du sud-ouest de la France et je me souviens de la transformation que j'ai vécue, que j'ai vue au fil des ans de part et d'autre des Pyrénées. La transformation démocratique au Portugal, en Grèce. Je rappelle ça parce qu'on oublie souvent aujourd'hui comment on parle des problèmes de démocratie et de l'Est, que la démocratie en Europe occidentale, dans l'Europe occidentale de l'après-1945, n'a pas toujours été présente. Et là, je voulais poser la question, est-ce que vous avez le sentiment que les médias, nos différents médias en Europe, ont suffisamment exploré ces mémoires croisées, ces mémoires du basculement de la dictature vers la démocratie, ces mémoires ou ces expériences de ce qui peut provoquer ou expliquer le recul de la démocratie quand il se produit. C'est un exemple. Mais je pense aussi au fait qu'en Hongrie, pour prendre cet exemple ce cas de la Hongrie, quand Viktor Orban a placé sous son contrôle l'essentiel des médias de ce pays, eh bien c'est des États-Unis et non d'Europe qu'est venu un effort pour tenter d'irriguer la société hongroise d'autres sources d'informations. Et je pense au fait qu'en septembre 2020, l'année dernière, Radio Liberté, qui avait cessé d'émettre en hongrois depuis 1993, a repris ses émissions en langue hongroise. Pour quelqu'un comme moi qui travaille dans le journalisme en Europe, et quand je dis Europe, je pense au continent au sens large, pas seulement aux pays membres de l'Union européenne, eh bien, depuis la fin du rideau de fer, Cette expérience de cette génération a été celle de la découverte de notre vaste espace et des expériences humaines, des mémoires croisées, contrastées, qui la tissent, qui relient cet espace européen. Sans doute, dans vos différentes positions, dans vos professions, et là où vous avez sûrement fait cette expérience aussi. Les crises des 12 dernières années, de la bonne longue décennie, disons, nous ont tous affectés entre voisins. La crise financière, la crise de l'Europe face à la vague des réfugiés, le terrorisme, le retour de la guerre sur le continent en 2014, et le soi-disant populisme qui, comme la philosophe Agnès Heller, que je voudrais mentionner ici, elle préférait utiliser l'expression nationalisme ethnique plutôt que populisme. Toutes ces crises nous ont affectés. Mais je dirais que la pandémie que nous vivons aujourd'hui est un tournant majeur qui montre qu'il est grand temps de bâtir un espace médiatique et journalistique commun. Un ami allemand, Thomas Kleiner-Brockhoff, récemment disait que le mot pandémie était important. Pandémie, pandémos, qui affecte tout le peuple. Or, qu'est-ce que nous avons constaté ? Eh bien, je dirais que cette pandémie qui nous affecte tous nous a montré fragmentés. Et
On peut trouver de multiples explications à cela, mais je pense qu'il y a un lien aussi avec l'absence d'espace médiatique commun. L'espace public européen, aujourd'hui, reste incertain, il reste à construire. Les stéréotypes ont la vie longue, l'ignorance qui a été mentionnée dans la vidéo qu'on a vue, l'ignorance entre voisins est assez répandue au bout du compte, et nous avons souvent des œillères. Deux moments pour moi ont été emblématiques. L'année dernière, la première année de la pandémie, hélas pas la dernière année de la pandémie. Ces deux moments, c'était février, aux alentours de la mi-février 2020, quand la situation dans le nord de l'Italie était tragique, où les médecins étaient obligés de sélectionner les malades qu'ils pouvaient soigner. Eh bien, nous, dans d'autres pays européens, nous n'avions pas une très bonne visibilité sur cette situation. À ce jour, je pense que si nous avions eu un espace médiatique européen partagé, nous aurions eu une prise de conscience plus rapide de la gravité de ce qui allait nous arriver à tous. Et nous avons aujourd'hui 1 million de morts sur le continent européen liés à cette pandémie. Le deuxième moment, c'est les événements extraordinaires qui se sont produits au Bélarus à partir du 9 août 2020, la date de l'élection, au résultat truqué, et le soulèvement démocratique et populaire pacifique qui s'est produit par la suite. Qui s'intéressait avant le 9 août 2020 aux jeunes biélorusses, aux aspirations de cette génération-là qui a droit à la démocratie et à la liberté comme nous tous? Cet angle mort, je pense, est en partie lié au fait que nous n'avons pas fait assez d'efforts pour avoir un véritable espace médiatique commun européen avec des projets qui regardent au-delà et au-delà de nos frontières à chaque fois. Le réflexe du repli national a été spectaculaire, je dirais, au début de cette pandémie. Souvenez-vous, à nouveau, mars 2020, certaines frontières intérieures de l'Union européenne ont commencé à être fermées ou à être plus contrôlées. Et le 4 mars 2020, la France et l'Allemagne ont pris des mesures pour interdire l'exportation de matériel médical et en particulier de masques hors de leurs frontières. Un moment emblématique, je dirais. Depuis, bien sûr, nous avons tous lu dans nos médias, lu et regardé beaucoup de comparaisons, des statistiques, les statistiques des infections, des vaccinations, les statistiques des morts. Mais le récit médiatique est resté largement cloisonné ou en tout cas charpenté par l'espace national. On se préoccupe évidemment beaucoup plus de ce qui se passe à l'intérieur de notre État national qu'ailleurs. Or, nous savons que la solution ne pourra être là encore que commune. Donc, la visibilité sur ce qui se passe chez les autres est encore plus importante et l'empathie pour ce qui se passe envers l'expérience des autres est fondamentale. Elle n'est pas assez animée, nourrie par la couverture médiatique. Ça paraît paradoxal, n'est-ce pas, quand on entend toujours dire que nous sommes interconnectés et que la technologie nous permet d'échanger avec des personnes lointaines comme jamais ça n'avait été possible auparavant. Je vais terminer en mentionnant, bien sûr, qu'il existe depuis le début des années 90 des initiatives d'esprit pan-européen dans les médias. Au début des années 90, on a eu la création de Euronews, qui était censé être le CNN européen. On a eu la création de Arte, la chaîne franco-allemande pour la culture essentiellement. Et ces dernières années, d'autres créations de médias sont apparues, mais souvent leurs audiences sont limitées ou alors ces médias se limitent à ce qui s'appelle la bulle de Bruxelles. Il y a aussi des coopérations qui se sont nouées entre différents audiovisuels publics, des grandes télévisions publiques, et c'est bienvenu. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, et c'est la note d'espoir que je voulais partager avec vous, c'est le foisonnement de nouveaux médias digitaux, des petits médias à travers le continent, et pas seulement à l'intérieur de l'Union européenne. Souvent, ces médias sont lancés par des jeunes. Ils sont des podcasts, des storytelling par écrit, par la photo, par la vidéo. Et souvent, il s'agit de collaborations transfrontalières, d'enquêtes ou de récits, de reportages qui associent, c'est ça le cœur de leur valeur, c'est qu'ils associent de multiples regards croisés. Leurs équipes sont diverses, multinationales.
J'en ai toute une liste, je vais pas vous lire la liste de ces médias, mais volontiers pour en parler un peu plus si ça vous intéresse. Ce qui est important, c'est qu'ils dressent un tableau d'avenir. Ce sont des petits médias indépendants, donc portés par une jeune génération qui utilise l'anglais, la lingua franca hein, du continent, pour travailler entre eux, mais qui diffusent leur contenu et leur travail dans de multiples langues. Ils ont très envie de coopérer entre eux, de s'amplifier, d'amplifier leur visibilité et de grandir leurs audiences. Ils ne se contentent pas, et je pense qu'on ne peut pas se contenter, d'une situation où les médias basés en Angleterre ou aux États-Unis, aussi prestigieux soient-ils, occuperaient de plus en plus de place comme notre espace, comme constituant soi-disant notre espace médiatique européen commun. Et ni, bien sûr, ne pouvons-nous nous contenter, évidemment, nous devons nous armer contre les campagnes de désinformation qui sont menées par le Kremlin ou le régime chinois de manière croissante. Pour cette jeune génération de journalistes européens à travers le continent, la solidarité, c'est mon constat parce que je suis en contact avec pas mal d'entre eux, la solidarité, tout simplement, ça commence par la curiosité envers l'autre, envers le voisin, et le souci de partager des expériences. Alors, je suis française et je suis partie travailler pour un média britannique, c'est vrai, et sans doute je suis traumatisée par le Brexit, qui a eu des origines en partie liées à la couverture médiatique, c'est vrai. Mais pour moi, cette effervescence, cette nouvelle créativité de la jeune génération journalistique en Europe dessine une décennie fascinante. La décennie des années 2020 va être la décennie de ce paysage médiatique européen. C'est la grande aventure du journalisme européen. Investir dans l'Europe, c'est investir dans son espace médiatique commun, diversifié et interconnecté. Je vous remercie. Wir bedanken uns ganz. Merci à vous, merci beaucoup Nathalie, c'était vraiment très intéressant et c'était vraiment un discours d'ouverture riche en informations et nous souhaitons que parler en fait de votre présentation parce qu'elle était tellement intéressante mais nous n'avons pas assez de temps parce qu'il y a aussi d'autres participants qui ont également des choses importantes à dire. C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien... Tout d'abord, présenter les participants de notre panel et bien sûr, nous parlons des perspectives, des concepts, des idées individuelles concernant le voisinage et nous sommes ravis de pouvoir présenter les participants. Donc, je commence avec Jacek Karnowski. Jacek Karnowski, s'il vous plaît, allumez votre caméra. Il est maire de la ville polonaise de Sopot, en Pologne. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur Karnowski. Pourriez-vous nous entendre? Bonjour. J'aimerais bien souhaiter la bienvenue à Sylvie Amar. S'il vous plaît, activez votre caméra. Allumez votre Bonjour. Caméra, Madame Amar. Vous êtes à Paris en ce moment, mais en général, vous êtes à Sarrebruck. Entre les deux. Donc, où vous êtes le chef ou bien la directrice du Festival franco-allemand Perspective. Bonjour, Madame Amar. Bonjour. Et après, j'aimerais bien souhaiter la bienvenue au professeur de politique comparée Michel Minkenberg, venant de l'Université européenne Viadrina à Francfort-sur-l'Oder. En ce moment, il est à Berlin. Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Minkenberg. Bonjour. Bonsoir. Donc, tout d'abord, nous pourrions commencer avec Madame Karnowski, le maire de la ville polonaise de Sopot. Pourriez-vous nous donner quelques informations concernant votre accès ou votre concept, votre idée de voisinage? Vous avez beaucoup de villes jumelles ou bien de jumelage avec d'autres villes. Donc, c'est un modèle, enfin, il y a des gens qui disent que c'est un modèle assez ancien, mais quand même, je crois que vous avez fait des bonnes expériences. Qu'est-ce que vous en pensez?
Jeszcze raz dzień dobry. Rzeczywiście, ja mam przyjemność być 22 lata już. Donc, bonsoir. J'ai vraiment le grand honneur depuis plus de 20 ans d'être le maire de la ville de Sopot en Pologne et je suis très content. Et nous avons avec des villes différentes, nous avons des jumelages de villes, Frankenthal par exemple en Allemagne, et nous avons également un autre jumelage de villes avec Deauville et avec une ville en Israël et également en Russie. Donc, c'est une partie de Saint-Pétersbourg. Et nous avons également un jumelage de villes avec une ville en Suède. Et ce qui est très important pour nous, c'est l'échange des jeunes. Parce que, en fait, j'ai également des enfants qui ont fait participer au programme Erasmus. Mon fils était en Turquie, ma fille était à Turin. Et je leur ai rendu visite et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc, je crois que c'est un des programmes, c'est le meilleur programme européen, donc le programme Erasmus. Et ma ville a seulement 36 000 habitants, mais quand même, les habitants, et avec Donald Tusk et Janusz Lewandowski qui habite dans notre ville, donc c'est l'ancien commissaire de finances de l'Union européenne qui habite ici, et je vis dans une ville, donc la ville de Sopot, qui a un grand échange avec d'autres villes et en même temps qui s'engage dans le champ des réfugiés. Donc lors des dernières élections, le candidat pour la présidence de l'État à Varsovie, le président de ville, donc le maire de Varsovie, a reçu à peu près 70% de voix, mais quand même André Duda, il a gagné, disons ça comme ça. Nous avons des projets d'art que nous organisons, des projets artistiques, mais j'aimerais bien dire en fait, il y a également des manques, il y a des choses qui me manquent en Europe. J'ai parlé à un député aujourd'hui, donc je crois qu'il y a quelque chose qui me manque en Europe, et nous en avons déjà parlé, donc la publicité pour l'Europe, pour l'Union européenne. Donc, qu'est-ce que c'est l'Europe? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut vraiment des moyens de publicité pour l'Union européenne, et je n'ai pas vraiment l'impression de vraiment parler, de toucher, entre guillemets, les gens en Europe. Donc, en Pologne, il y a des projets comme la ville verte, par exemple. Nous n'avons pas de problème avec du smog, parce que avec le brouillard de pollution, il n'y a pas beaucoup de pollution, mais quand même, nous dépensons beaucoup d'argent pour des projets climatiques ou pour des questions qui s'occupent du changement climatique. Donc, en fait, c'est très bien de s'occuper du changement climatique, mais je crois, en même temps, c'est un sujet qui pourrait vraiment être un sujet enthousiaste, positif pour les jeunes. Donc, la campagne de vaccination en Europe. Donc, il y avait un budget qui a été prévu pour la campagne de vaccination, mais quand même, on aurait pu changer ou bien organiser différemment cette campagne de vaccination en Europe. Parce qu'en Israël, il y a vraiment des bonnes idées, en fait, une bonne campagne de vaccination. Donc, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien souligner que le programme Erasmus m'a plu beaucoup. C'est vraiment un programme qui me rend enthousiaste et également avec... ce projet de jumelage de villes, il y avait des représentants de ces villes de jumelles qui m'ont soutenu, mais quand même des projets ponts nationaux ne suffit pas. Il y a quand même des projets qui... Voilà, il n'y en a pas assez. Donc, il y a une opéra open air pour des milliers de
d'inviter ou bien pour un grand public, pour des concerts de Wagner, par exemple. Il n'y a pas assez de concerts aujourd'hui qui sont organisés. Nous avons également un festival, ou nous avons eu un festival à Sopot, qui était le pendant de l'Eurovision, Intervision, c'était le nom pour les pays de l'Est, enfin des pays de l'Est, mais en fait ce festival n'est plus active. Donc, il y a deux événements que j'aimerais bien nommer. Donc, tout d'abord, en 1569, nous avons signé un contrat avec la Lituanie. Donc, tout d'abord, nous avons parlé d'un mariage royal entre deux parties, donc deux royaumes, ou une roi et une reine future. Et le deuxième moment dans l'histoire de la Pologne, qui représente un moment le plus important, c'était l'accès à l'Union européenne ou bien l'adhésion dans l'Union européenne, donc l'ascension ou bien l'adhésion en fait. Donc je crois que l'Union européenne a perdu un peu près sa force, et je crois que nous avons besoin de cette force pour pouvoir changer la situation, pour améliorer la situation de l'Union européenne. Et je crois que ce sont deux aspects très importants. J'en ai parlé avec Donald Tusk. Je ne sais pas si vous l'avez très bien compris. Il y a à peu près 6 mois, j'ai parlé à Monsieur Tusk. Et je crois qu'il n'y a pas assez de promotion, pas assez de publicité pour l'Union européenne ou pour l'Europe en général. Donc voilà, c'est ça ce que je pense. Donc, dû à la pandémie, je suis à Varsovie et il y a également, c'était une région qui était beaucoup affectée par la pandémie. Et maintenant, c'est la question la suivante. Quelle peut faire la culture dans disons, entre des pays où il y a des frontières, où il y a du trafic des frontières, donc par exemple en Pologne, en Allemagne, quelle est la possibilité, quelle peut faire la culture dans des régions. Donc, Madame Amar, vous m'entendez? Pardon, il y avait un petit problème technique. Oui, je vous entends, mais j'attendais la fin de la traduction. Donc voilà, c'était la question suivante. Comme vous êtes à Sarrebruck, là, il y a deux frontières, donc la frontière allemande et la frontière française. Et quelle peut faire la culture dans ces, disons, régions transfrontalières ou dans des régions entre deux pays? Voilà, c'est ça la question. Très bien, merci. Alors là, actuellement, la situation, vous vous en doutez, est très compliquée pour organiser un festival sur la frontière, puisque nous, le festival Perspective, donc, qui est situé à Sarrebruck, rayonne dans ce qu'on appelle la grande région, donc beaucoup en France, en Moselle, en Sarre. On travaille avec le Luxembourg également. Et le Covid fait qu'actuellement, la situation est très compliquée. Il y a des tensions, malheureusement, qui sont apparues entre les deux régions frontalières. Moi, je travaille depuis une quinzaine d'années pour ce festival. On travaille à construire, grâce à la culture, une meilleure entente. Pour moi, la culture est vraiment essentielle dans les relations de voisinage. On est sur des régions frontalières qui ont l'habitude d'échanges économiques, culturels. On a une véritable culture européenne à défendre. C'est un travail vraiment passionnant. Moi, je ne viens pas du tout d'une région frontalière. J'ai découvert la Sarre et la Lorraine quand je suis venue faire mes études. Je ne pensais pas rester dans cette région. J'ai trouvé cette région frontalière tellement fascinante et tellement intéressante que j'ai voulu rester, j'ai voulu y travailler. Et la culture, les spectacles, par exemple, qu'on propose de théâtre, traitent de sujets contemporains, traitent du monde actuel, des problèmes de société, prônent la liberté d'expression, l'ouverture d'esprit. Moi, quand je suis arrivée à Sarrebruck, on était sur des artistes français et allemands. J'ai ouvert sur la Belgique,
sur les pays francophones et germanophones, finalement, parce que je ne voyais pas la raison de se limiter à la France, au territoire français, au territoire allemand. Et je trouve que par le biais de la culture, on peut vraiment apprendre à mieux se connaître. Et pour que les relations de voisinage fonctionnent, c'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire. Nous, on fait voilà, depuis plus de 15 ans ce travail d'essayer de casser toutes les barrières qui existent, parce que même si il n'y a plus de frontières physiques, même si là, elles sont réapparues avec tous les tests Covid qu'il faut faire à chaque fois qu'on passe la frontière, mais en tout cas, il n'y a plus de frontières physiques, mais il y a quand même toujours une barrière malgré tout dans les esprits, une barrière de la langue. Donc, on essaie vraiment de tout mettre en place pour casser toutes ces barrières, les barrières linguistiques, les barrières géographiques, les barrières culturelles. Et pour moi, vraiment, la culture est un élément essentiel dans la compréhension de nos peuples. Oui, merci beaucoup pour cette prestation. Donc, Monsieur Minkenberg, vous travaillez à l'Université européenne Viadrina à Francfort-sur-l'Oder. Je crois que vous n'êtes pas à Francfort, mais à Berlin, et vous êtes un expert pour ce concept du voisinage, ou bien vous n'êtes pas un expert pour le voisinage. Vous vous occupez surtout des tendances conservatrices, et mais quand même, j'aimerais bien à vous, en tant qu'homme qui travaille à l'université, est-ce que ce mindset, cet esprit du voisinage, on en a déjà parlé, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui s'entend bien, entre guillemets, avec des tendances de droite, enfin nationalistes, donc les gens qui sont plutôt, disons, du côté de droite? Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous m'entendez. En effet, c'est une question plutôt académique. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien me revenir aux perspectives non académiques, non universitaires. Nous avons parlé de la ville de Francfort-sur-l'Oder, qui est juste à côté de la Pologne. Mais j'ai vraiment l'impression qu'à Francfort-sur-l'Oder, on remarque ce voisinage, cet esprit de voisinage entre l'Allemagne et la Pologne. Et il y a, quand on arrive à Francfort, on peut marcher pour aller à Sopot, donc ou on prend le train, donc tout est proche, juste au coin. Il y a un festival, il y a également un programme organisé ou une institution qui s'occupe des projets qui, enfin, germano-polonaises. Donc, il y a des diverses échelles ou bien des projets différents. Et maintenant, j'aimerais bien répondre à votre question. En ce qui concerne le rôle des gens qui ont des tendances de droite ou bien qui sont des nationalistes, donc il y a des gens qui ont les extrêmes droites, des ultranationalistes qui ont des tendances de violence. Quand je les regarde, j'ai vraiment l'impression que c'est impossible. Donc, les ultranationalistes ne peuvent pas montrer ou développer une solidarité internationale avec leurs voisins. Ça, je ne peux pas m'imaginer. Mais et je crois en Europe, ça a pris beaucoup de temps jusqu'à la création d'une réunion des partis de l'extrême de droite. Maintenant, on appelle ça démocratie de droite. Mais quand même, il y a des fusions extrémistes internationales. Mais je crois que le noyau idéologique de ces regroupements, de ces groupes, ou des organisations nationalistes, c'est de créer ou bien de définir un ennemi commun, un ennemi partagé, et c'est ça le noyau en fait de ces organisations. Et c'est visible, et on voit également dans le sens de l'intégration européenne que tous ces groupes
n'aiment pas Bruxelles, ne sont pas de grands fans, de grands enthousiastes envers Bruxelles, qui disent qu'il y a le super-État, Bruxelles qui ne fonctionne pas, qui parle du dysfonctionnement de Bruxelles. Mais il y a aussi autre sujet comme l'ethnicité ou bien la religion qui joue un rôle important. En Allemagne, il n'y a pas de problème quand il y a des Africains ou des Maghrébins. En fait, il y a des Maghrébins, bien sûr, en France et également en Allemagne. Et en fait, ce sont des ennemis, des extrêmes, des nationalistes qui ont trouvé leur ennemi partagé. Et en fait, ce sont eux qui travaillent à Bruxelles, qui ont fait cette faute, qui ont ouvert les frontières pour les gens qui ne viennent pas de l'Europe. Et en fait, c'est une construction des Juifs qui ont ouvert les frontières. Et en fait, ce sont eux qui ont commencé à créer cette construction pour... disons pour changer l'esprit en Europe. Et c'est ça la logique, c'est ça l'esprit derrière ces tendances. Et j'ai l'impression que dans la réalité, il y a d'autres structures qu'on peut reconnaître. Il n'y a pas d'autre chose, enfin, il n'y a pas de choses à comparer dans ce paysage de partis. En Europe, donc en ce qui concerne le radicalisme de droite, il y a cette pensée de solidarité. Mais quand même, il y a des fusions dans des scènes différentes, par exemple dans la scène de la musique extrême droite. Donc cette musique, donc on dit toujours que la musique peut réunir les peuples et est une chose transfrontalière, c'est vrai, mais quand même il y a également d'autres coopérations entre les extrémistes de droite en République tchèque par exemple. Il y a la partie qui ne sont plus qui sont interdits dans la République tchèque, par exemple. Et il y a également d'autres organisations. Je voudrais poser une autre question à l'attention de Nathalie. Tout d'abord, le sujet des médias revêt une grande importance, mais nous allons y revenir dans un instant, si vous voulez bien. Je voudrais vous poser encore une autre question. Vous avez déjà effleuré cette question. Vous avez acquis de l'expérience en tant que journaliste à Paris, à Londres, bien sûr, et surtout maintenant, après le Brexit. Quelle nouvelle configuration de voisinage y a-t-il entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale? Est-ce qu'on peut encore parler d'une non-prise en compte bienveillante, d'une attention bienveillante dont on a parlé tout à l'heure? Qu'en est-il de cette nouvelle configuration post-Brexit, selon vous? Oui, merci. C'est une vaste question. Moi, je pense qu'on est dans une phase actuellement de tension, hein, que le Royaume-Uni post-Brexit, dirigé par Boris Johnson, connaît une vague d'une forme d'hubris ou d'hostilité artificielle, je dirais, créée de manière artificielle envers le reste de l'Europe et en particulier vis-à-vis de l'Union européenne. Ce sont les suites psychologiques, politiques du Brexit qui est une longue comète. Le Brexit, c'est une comète et c'est une longue comète. Et je pense que le climat au Royaume-Uni est encore politiquement et psychologiquement est encore construit et charpenté par ce phénomène du Brexit et avec des répercussions très importantes sur la cohésion même, on parle de cohésion aujourd'hui, la cohésion même du Royaume-Uni. Hein. Regardez les événements en Irlande du Nord et le débat ravivé sur l'Écosse. Donc, je pense que ça va être une très longue, un très long processus de construire ou d'établir des relations
apaisée, constructive avec le Royaume-Uni. Je pense qu'ils sont dans une phase d'une crise très longue. Ich würde gerne die drei Mitdiskutanten, nämlich Herrn. Je voudrais maintenant inviter Madame, Monsieur Kanowski, Madame Amar et Monsieur Minkender. Je voudrais à nouveau vous poser une nouvelle question. Est-ce que vous souhaitez commenter cette déclaration liminaire faite par Madame Nogared aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez prendre position? Sinon, je pourrais le faire aussi, mais je préférerais vous entendre, vous écouter. Donc, elle a fait un plaidoyer, Madame Nogared, en faveur d'un paysage médiatique pan-européen. Et ce, par les temps qui courent, qui ne sont guère simples pour réaliser un tel projet. Oui, s'il vous plaît, volontiers. Je ne suis certes pas un chercheur en médias, donc je pourrais seulement prendre position de façon mi-compétente, si j'ose dire. Tout d'abord, je dirais qu'il est assez difficile de définir ce que c'est un paysage médiatique européen, car cela présupposerait immédiatement que ce paysage médiatique européen aurait des frontières, des limites. Alors, œuvrer en faveur de la création d'un paysage médiatique européen sur la base de la coopération internationale et du multilinguisme, c'est assez difficile. Bon, bien sûr, les plateformes médiatiques, les journaux, l'Internet, les chaînes de télévision joueraient un rôle également. Mais est-ce qu'on pourrait le faire? Mais comment limiter cet espace? Comment le désigner comme un espace médiatique européen? Où sont les limites? Comment le délimiter par rapport à d'autres pays? Parce que les réseaux sociaux existent d'ores et déjà sur Internet. Les médias sont d'ores et déjà internationalisés de façon très importante. Les Portugais peuvent communiquer avec peuvent discuter avec les Polonais, voire avec les Norvégiens. Ils peuvent regarder un film ensemble, quoi que ce soit. Ils peuvent convenir d'un rendez-vous virtuel. D'ailleurs, c'est aussi une marque du milieu des extrémistes de droite. Ils utilisent cette sorte de forum virtuel pour se mettre en réseau au-delà des frontières. Mais cela va beaucoup plus loin. Prenez le mouvement alt-right aux États-Unis. C'est un mouvement états-unien qui a ses adeptes en Europe. Puis il y a les identitaires russes, les identitaires européens, pardon, qui ont leurs partenaires en Russie. Donc, au niveau, il existe d'ores et déjà une forte internationalisation des médias. En même temps, ce sont des médias qui se découplent et se délimitent par rapport à d'autres entreprises médiatiques. Façonner, forger un tel espace médiatique européen, je pense que cela déboucherait sur la création d'un État illibéral. Monsieur Granowski, ce à quoi nous assistons actuellement en Pologne, c'est une repolonisation des médias, donc une renationalisation des médias polonais. Est-ce que vous, en tant qu'observateur des médias polonais, est-ce que vous pensez que nous pouvons avoir bon espoir qu'il y aura bientôt des médias européens, européanisés en Pologne? Non, je voulais poser cette question à l'attention de M. Karnowski parce que je m'intéresse à la renationalisation des médias polonais, la polonisation des médias à laquelle nous assistons maintenant. Non, il ne s'agit pas d'une repolonisation des médias. Non, il s'agit d'une politisation de l'intégralité des médias polonais. Les médias polonais sont subordonnés à un parti déterminé. C'est le parti qui détient actuellement les rênes du pouvoir en Pologne. Peut-être pourrait-on parler d'une repolonisation. Bon, d'accord, si vous voulez. Mais a priori, il s'agit beaucoup plus du parti au gouvernement. C'est-à-dire que le paysage médiatique polonais est un peu accaparé par le parti au pouvoir. Je le dirais autrement. Comment dire? La BBC était jadis un média accessible à tous. Évidemment, j'essaye de regarder des médias internationaux très différents.
Mais nous ne pouvons plus dire aujourd'hui, non, que la BBC soit une chaîne de radiodiffusion et télédiffusion européenne, non, ou internationale. C'est très britannique. C'est tourné vers l'intérieur. Nous devons prendre des mesures nationales et prendre des mesures concrètes. Je dirais que prenez mes enfants. Mes enfants ne comprennent pas, tout simplement pas qu'on doive aller chercher un passeport auprès d'une autorité si on voulait se rendre quelque part ailleurs, si on voulait se déplacer à l'étranger. Prenez le cas de la Russie. La Russie joue un rôle tout à fait différent aujourd'hui que par le passé. Je me suis rendu au moins 120 fois en Russie, mais vous prenez le cas de la Chine. J'ai montré à mes enfants qu'il fallait, dans un premier temps, demander un visa si on voulait se rendre en Chine. Comment, d'ailleurs, peut-on se rendre en Chine? Comment peut-on y voyager? Il en va de même de la Russie. Et à l'intérieur de l'espace européen, vous pouvez vous déplacer très librement. Moi, j'ai grandi dans une famille hautement politisée, donc j'ai sans cesse observé ce qui se passait dans le paysage politique polonais. Et ce festival Perspective, ce festival franco-allemand dont il était question, a été une excellente contribution. Margaret Atwood, une Canadienne, nous l'avons invité afin de comparer les cultures. C'est sur Facebook que nous avons organisé tout cela et nous avons reçu plusieurs milliers de voix affirmatives qui ont liké cet échange sur Facebook que nous avions organisé. En tant qu'ingénieur en sciences économiques, je peut néanmoins dire qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses dans la lutte contre le racisme. Si, par exemple, on porte un t-shirt avec le grand titre « Respect », « Respect », c'est très simple à comprendre. Et puis, une partie des personnes voulaient écouter et regarder ce qu'avait à dire Margaret Atwood, cette Canadienne, ou d'autres personnes, différentes personnes y sont présentes, mais un tel festival, tel que le festival franco-allemand de Perspective, revêt une importance primordiale. Cependant, nous devons aussi nous rapprocher des gens ordinaires. Nous devons trouver la voie vers monsieur et madame Lambda. Ces gens ordinaires ne vont pas participer au festival Perspective. Même si un festival réunit plusieurs milliers de personnes, il faut également prendre en compte monsieur et madame Lambda. Il faut créer quelque chose pour les gens ordinaires, pour les enthousiasmer, pour les impliquer, les faire participer à la vie sociétale. Comment? Eh bien, à l'aide de la musique, je ne sais pas, mais en tout état de cause, j'estime que nous devons faire de la publicité en faveur de l'Union européenne, et pas seulement une publicité quelconque, une publicité entre guillemets, une véritable publicité. Je parle d'une véritable publicité en faveur de l'UE. Moi, personnellement, j'ai déjà participé à une pléthore de campagnes électorales, dont pour les élections au Parlement européen. Mais il faut faire de la publicité et il faut plaider la cause de l'Union pour que les gens ordinaires, elles aussi, comprennent que c'est très important. On peut l'exprimer en des mots simples, non? Nous n'aurions même pas de vaccination si l'Union européenne n'avait pas conclu les contrats. Certes, nous avons appris que la Grande-Bretagne a rapidement vacciné tout le monde, mais ils se sont servis d'autres canaux. Ou prenons le cas du gouvernement polonais. Le gouvernement polonais a fait peur au peuple allemand avec la rumeur selon laquelle des vagues de réfugiés polonais, de migrants polonais se rendraient en Allemagne et leur piqueraient l'emploi. Ces temps sont révolus. Beaucoup de monde serait disposé désormais à accepter un réfugié. Mais il faut en parler, il faut aborder ces sujets avec les gens ordinaires. Bien sûr, c'est aussi notre tâche qui nous incombe en Pologne. Pourquoi? Eh bien, pour que nous ayons enfin un meilleur gouvernement en Pologne. Mais c'est notre tâche. Alors, je voudrais
qu'on enchaîne immédiatement sur ces propos avec le prochain intervenant. Monsieur Meckenberg, oui, merci beaucoup. Je trouve que ce que Monsieur Karnowski vient de dire est extrêmement important. Moi aussi, j'avais voulu aborder ces aspects-là pendant notre conférence en ligne. En effet, on m'a demandé, ou on nous a demandé dans un chatroom, si nous ne pouvions pas étendre le programme Erasmus à l'échelle européenne. Tout cela est merveilleux et je suis personnellement fasciné par la possibilité de la mise en œuvre de ce programme Erasmus. J'ai également été professeur et enseignant. J'avais toujours des étudiants et des étudiantes Erasmus. Mais il faut faire attention car le voisinage européen ou l'européanisation ne doit pas se transformer en une affaire purement universitaire et académique. Dans le cadre de ces types de conférences, mais lorsque je tiens compte de nombreux discours médiatiques, je discerne la tendance de toujours vouloir analyser ces sujets sous l'angle académique universitaire. Et je considère que parfois cela va aux dépens de ce que M. Karnowski vient de dire précisément, c'est-à-dire que cela a pour effet que toutes les personnes qui ne font pas partie de cette élite académique, élite universitaire, j'utilise cette notion de façon large, que ces personnes qui n'en font pas partie se sentent exclues, marginalisées. Et cela, c'est de l'eau au moulin des extrémistes de droite et des populistes de droite qui en profitent parce qu'ils affirment que l'Europe ne serait qu'un projet pour l'élite universitaire. Il faut que nous essayions de regarder au-delà des limites de notre univers académique. Que pouvons-nous faire en plus du fait qu'on mette en réseau les étudiants entre eux en Europe? Qu'est-ce qu'on peut faire encore plus pour que les gens ordinaires qui ne connaissent pas encore ces échanges puissent les connaître également? Merci beaucoup, monsieur Meckenberg. Je dois malheureusement toujours regarder un peu la montre. Le temps avance et malheureusement, ou plutôt heureusement, je regarde en même temps les messages dans les chatrooms. Et puis, nous avons aussi un invité spécial qui souhaite également prendre la parole. Mais je constate que Madame Amar, vous vouliez aussi intervenir et prendre la parole, n'est-ce pas? C'est à vous, Madame Amar, s'il vous plaît. Oui, merci. Je voulais juste réagir au commentaire de Monsieur Karnowski sur le fait que le public lambda, l'individu lambda, ne viendra pas au Festival Perspective, puisqu'on parlait du Festival Perspective. Et là, je dois dire que ça, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser passer, puisque tout notre travail, justement, est en direction du grand public. C'est-à-dire que moi, ça fait 15 ans que je travaille à faire de ce festival un festival non élitiste et à faire que, grâce à la culture, les individus, alors on est dans une région frontalière, donc les individus de la grande région puissent se rassembler, mais les individus d'une même nationalité, peu importe. On a, par exemple, fait un grand projet dans un jardin à la frontière franco-allemande où on a réussi, parce que l'offre était une offre grand public de qualité, mais grand public spectaculaire, on a réussi à rassembler 30 000 personnes de toutes générations confondues et qui venaient vraiment de toute la grande région, France, Belgique, Luxembourg, Allemagne. Donc, il ne faut pas sous-estimer le rôle de la culture dans le rassemblement des peuples, et vraiment, la culture ne veut pas dire élitisme, c'est pas ça. On peut vraiment, avec des programmations de grande qualité, toucher un très grand public, et nous, c'est vrai qu'on a depuis des années réussi à faire venir au théâtre, on fait beaucoup de musique aussi, donc dans les salles, on a réussi à toucher des gens qui n'étaient jamais venus dans des salles de spectacle. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça que je voulais juste réagir, parce que festival ne veut pas dire programme élitiste, pas du tout. Gibt es noch eine direkte Reaktion? Je crois qu'il y a une réaction directe à ce petit commentaire venant de Madame Amar. Monsieur Karnowski, c'est à vous. Et mais après, on commence avec des questions. Donc, c'est à vous.
Oui, merci beaucoup. Une réponse à ce que Madame Amar vient de dire, c'est alors, j'adore votre festival et je vous invite de venir à Sobot. Donc, c'est une invitation. Donc, en fait, c'était pas ce que j'ai voulu dire. Donc, chez nous, un festival est organisé dans le cadre du festival musical pour 5000 de gens. Il y a des soirées littérature qui sont beaucoup aimées, beaucoup appréciées par le public. Et je suis d'accord avec vous, c'est très important, vous avez tout à fait raison. Et parce que nous avons 5000, beaucoup plus de 5000 gens qui ont fait partie de notre public, mais cela représente seulement une partie de la population. La culture est bien sûr très importante, mais quand même, il ne faut pas oublier l'autre partie de la population, donc les autres gens. Donc, merci beaucoup pour cette prestation, merci beaucoup. Donc, c'est comme... J'ai pensé, nous avons beaucoup de choses à parler, à discuter, car c'est un sujet vraiment très complexe, mais quand même, nous n'avons pas assez de temps de vraiment négocier, de parler des choses qui sont importantes pour nous. Mais quand même, il y a des questions venant du chat, il y a des gens qui souhaitent poser une question ou faire un commentaire. Mais tout d'abord, j'aimerais bien demander à M. Frédéric Petit, et j'aimerais bien vous souhaiter la bienvenue. S'il vous plaît, posez votre question, faites votre commentaire. Donc, M. Petit, député de l'Assemblée nationale en France pour les Français qui habitent en étranger, et il est en charge des régions qui forment le triangle de Weimar actuellement. Dû à sa profession, il est à Varsovie, donc il habite à Varsovie. Et maintenant, Monsieur Petit, vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez. Et s'il vous plaît, posez votre question ou faites votre commentaire. Très bien. Je ne suis pas à Varsovie, malheureusement. Effectivement, je... Bravo pour votre conférence, parce que j'ai dû tellement prendre des notes et changer plusieurs fois mes idées, que j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, je vais reprendre et je vais réagir à la première intervention sur l'espace public européen. Je suis persuadé que c'est quelque chose de fondamental, que ça ne se réduit pas aux médias, et je vais en profiter pour finir ma présentation personnelle, parce que c'est quelque chose sur lequel j'insiste parfois peu, mais cette possibilité qui est donnée aux Français habitant à l'étranger d'avoir un député à l'Assemblée nationale, contribue à construire cet espace public. Et je dis ça très simplement à Madame Nougaret, je crois que ce qui est en jeu dans ce que nous faisons, dans ce que nous avons imaginé en France, pour représenter ça, est fondamental. C'est peut-être pas un hasard si le seul tout petit média qui parle du Bélarus tous les jours, c'est mon fil Twitter. Et depuis même avant le 9 août, puisque je vous rappelle que les grandes manifestations ont démarré avant le 9 août. Je représente effectivement des Français qui sont installés à Sopot, moi j'habite à Cracovie, qui sont installés en Allemagne, en Sarre, et je crois que c'est quand on parle d'espace public européen, si c'est l'espace public de l'Union européenne, ça ne viendra pas du haut. C'est pour ça que Euronews n'a pas marché. Ça viendra, et c'est ce que j'ai cru entendre dans la première intervention, ça viendra effectivement du fait qu'il y a des gens qui vont se sentir complètement français, comme je le suis, mais complètement polonais, complètement cracovien. Voilà, je dis et je confirme que la ville de Sopot est une ville magnifique. Je confirme que la coopération entre Francfort am Oder et Subice est absolument extraordinaire. Je vous rappelle que ce sont deux villes qui sont séparées par un immense fleuve, et qui ont réussi à créer des coopérations ensemble. Donc je crois que ce travail sur le voisinage en Europe appartient aussi aux citoyens. Il y a deux notions sur lesquelles je voudrais revenir, et qui me semblent fondamentales. C'est la frontière extérieure de l'Europe. Je crois que moi, j'ai pas peur du mot frontière. Je crois que l'Europe... est dans un temps de construction, je parle de la communauté européenne, et dans un temps où elle a besoin d'avoir des frontières claires. Une frontière, ce n'est pas un mur. Une frontière, c'est pour moi d'abord une notion de responsabilité. Voilà. Je pense que le Danube, dans une politique écologique, le Danube est un fleuve qui nous appartient à tous et dont nous devons tous nous occuper. Je pense que la culture, ça va jusqu'à Pchemis. Après, nous avons des ponts, nous avons des discussions, mais nous sommes responsables jusqu'à Pchemis,
et moins après. Nous ne sommes pas responsables du Dniepr, même si la planète serait mieux si le Dniepr était propre. Voilà, je crois que la notion de frontière de l'Union européenne est quelque chose qu'il faut travailler. Après, sur les frontières à l'intérieur, moi j'ai été élevé à Metz, en Lorraine. Je connais très bien la région région Sarlorlux, comme on l'appelle. Je suis de formation scientifique aussi, je ne sais pas si ça va être très facile à traduire ce que je vais dire là, mais moi je crois profondément à la notion de gradient de frontière, c'est-à-dire ce qu'on appelle en physique cette notion de progressivité. Je crois que nous avons des frontières, je crois que quand on est en Allemagne, on n'est pas en France. Je crois qu'il faut se méfier de l'harmonisation complète, que la mobilité c'est quelque chose de compliqué, de difficile, et que ça restera européen. Vous avez dit, Madame Nougaret, que le plurilinguisme, c'était une difficulté à surmonter. Moi, je dirais que c'est notre langue, le plurilinguisme, que c'est quelque chose qui fait ce que nous sommes, et il faut que ça reste, il faut que ça reste. On habite une langue, on la parle moins que ce qu'on habite. Qu'on l'habite. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve cette notion de gradient de frontière, c'est-à-dire que nous allons construire des régions qui vont être des régions où on arrive progressivement avec des points différents, avec des accords différents, avec tantôt la culture, tantôt l'économie, tantôt le travail, tantôt l'école, à passer d'un côté à l'autre et qui feront que l'Europe que nous avons à construire sera une Europe où les frontières seront des lieux de vie, seront des bassins de vie. Voilà, je m'arrête là puisque je sens que le temps nous presse. Merci en tout cas. Ganz herzlichen Dank. Wir haben noch Merci beaucoup pour cette prestation. Nous avons encore quelques minutes pour des questions. Donc, j'ai eu des problèmes techniques, mais je crois que ce serait bien de pouvoir répondre à une question française, à une question polonaise et à une question allemande. Donc, j'aimerais bien commencer avec le chat allemand. Il y a M. Scholten qui pose la question suivante. Quel rôle pourraient jouer des organisations européennes ou bien des clubs européens avec des statuts européens dans cet espace public? Donc, qui souhaite répondre à cette question? Voilà, j'aimerais bien. Je ne suis pas expert dans ce champ, quand même, parce que je n'ai pas fait de la recherche dans le champ des clubs ou bien des organisations générales. Donc, mais quand même, j'aimerais bien répondre à cette question. Donc, je crois que cette idée de base, c'est d'avoir ou bien de mettre en contact des groupes différents au-delà des frontières. Et je crois à l'échelle de la société civile, il y a beaucoup de possibilités différentes. Et là, on peut rejoindre des forces, on peut, par exemple, créer des statuts européens qui peuvent créer une stabilité ou stabiliser en fait ces clubs transfrontaliers. Donc je parle vraiment des organisations diverses, mais c'est également une question de capacité, parce qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez de temps de faire ce qu'on veut quand même. Mais je crois, parlant de cette idée de base, ça serait quand même une bonne idée. Donc, il y a une question de Sarah Olivier venant de Leipzig. Je crois que c'est une question pour Nathalie. Donc, vous pourriez lire cette question. Elle demande des références pour des podcasts internationaux, des médias internationaux qui ont été fondés par des jeunes, donc qui réalisent ce pan-européisme. Alors, j'avais mis pardon à notre ami à Leipzig. J'ai répondu dans le chat avec une liste, mais j'ai peut-être mal copié. J'ai répondu à plusieurs personnes. Et je vais vous lire une liste des noms de petits médias. Et comme le disait Monsieur Petit, pour aussi répondre un peu à l'observation de Monsieur Minkenberg, il ne s'agit pas de créer un média d'un État illibéral, d'un média qui tomberait du ciel et qui serait le fruit d'une décision d'un pouvoir central européen. Il s'agit vraiment de, voilà, je crois que Tobias a copié mon message dans le chat.
mais quelques exemples de ce foisonnement de petits médias. Et effectivement, ils peuvent parfois dépendre d'une personne, d'un individu qui se passionne pour un thème et qui va diffuser des contenus. Et vous savez que maintenant, les médias, ça peut être un podcast, ça peut être un fil Twitter, ça peut être des choses très, très différentes. On est clairement sorti de l'univers uniquement de la télévision classique ou du journal papier. Hein. Quelques exemples. Are We Europe, c'est une petite start-up basée aux Pays-Bas et qui réunit plus de 700 journalistes de nationalités différentes à travers tout le continent. Beaucoup sont freelance, mais c'est leur approche qui est intéressante. Regardez leur site. We Belong, c'est un podcast fait par une jeune franco-tunisienne, italienne, et qui interview régulièrement des femmes, des jeunes femmes à travers l'Europe qui sont d'origine multiple, issues de l'immigration, comme on dit en France. Zabarona, c'est en Ukraine, un petit média purement digital, monté par des jeunes, et il commence à se déployer aussi à l'international et dans d'autres langues. Lost in Europe, c'est un projet de collaboration entre différents médias et journalistes à travers l'Europe pour regarder, étudier le sort des enfants perdus pendant la vague des réfugiés. Cultura Liberalna, je le mentionne, c'est à Varsovie, dirigé par mon amie Carolina Vigura. C'est très bien, c'est un esprit pan-européen aussi. Telex en Hongrie, monté par des journalistes indépendants et qui sont purement en ligne. Medusa est basée à Riga en Lettonie et regarde toute l'actualité russe de manière très indépendante, mais en regardant aussi au-delà la région. Le Grand Continent, c'est un média en langue française, mais aussi en italien, en portugais, je crois en suédois. C'est un site qui regarde la géopolitique de l'Europe. Forum.eu, c'est un projet de traduction. Et là, petite observation, je suis pas du tout contre le multilinguisme. Au contraire, c'est la richesse de notre continent. Simplement, je disais que la technologie permet d'apporter à des personnes dans leur langue des contenus qui auparavant n'auraient pas été accessibles. Parce que la technologie va nous permettre de traduire instantanément et à haute qualité le texte, le son et la vidéo. Ça, on le verra, on va le voir. Enter, c'est un nouveau projet qui relie des télévisions publiques de différents pays, monté pour des jeunes. Ça va être lancé cet été. ENTR, ça s'écrit. Eurozine, j'adore ce média. C'est une collection d'articles sélectionnés et traduits de différents journaux culturels à travers l'Europe. Sarajevo Calling, c'est basé à Sarajevo, comme l'indique son nom. C'est un podcast qui regarde tous les Balkans. C'est en anglais, mais c'est multinational et très intéressant. Et hélas, il a cessé d'exister, mais j'aimais beaucoup ce projet Sisters of Europe qui regarde les questions que se posent les femmes, où qu'elles soient, en Espagne, en Pologne, en Irlande. Les questions, voilà, il y a plein de thématiques qui traversent le continent et je pense que ces petits médias, et là je vous en donne juste un petit extrait, hein, ces petits médias, aucun d'entre eux ou très peu d'entre eux existaient il y a encore 3, 4, 5 ans et je pense qu'on va voir de plus en plus ce genre d'initiatives. C'est ça que je trouve intéressant, c'est de les aider à se coordonner ou à s'amplifier les uns les autres. Merci beaucoup pour cette prestation. La dernière question, je ne l'ai pas sous forme écrite. Donc, Madame Kaufmann, pourriez-vous me demander, je crois qu'il y avait une question concernant un service volontaire ou un service de bénévole en Europe. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite dire quelque chose concernant cette idée, donc un service de bénévole en Europe ou européen? Service volontaire européen, donc Monsieur Minkenberg. J'aimerais bien enchaîner sur ce que je viens de dire concernant les statuts des clubs ou des organisations. Je crois que c'est toujours bien d'avoir de telles initiatives, mais il ne faut pas les sacrifier pour des ressources. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, un service volontaire ou un service de bénévole obligé, parce que quand même, on est bénévole, on ne peut pas être obligé. Donc, je ne sais pas comment ce que cela va signifier, mais quand on regarde vers l'ouest,
il y avait un président ou le président aux États-Unis qui a commencé ce projet, qui a parlé de ses activités psychos partout dans le monde. Donc, c'était vraiment une très bonne idée. Donc, des jeunes qui sont revenus aux États-Unis, qui étaient partout en Europe pendant un an, deux ans, trois ans, qui ont vraiment eu des biographies très intéressantes. Donc, ça serait un concept intéressante, mais en ce qui concerne l'obligation, je ne peux pas vous donner d'informations. Donc, merci beaucoup. Donc, il y a également d'autres questions très intéressantes et d'autres commentaires très intéressants, mais nous n'avons pas assez de temps. C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien tout d'abord vous remercier, mesdames et messieurs. Merci Nathalie Nogaret, monsieur Meckenberg, madame Amar, monsieur Karnowski et monsieur Petit. Merci pour ce commentaire très intéressant. Et merci à vous, mesdames et messieurs, pour cette discussion très intéressante et vivante. Et on espère de continuer cette discussion dans l'avenir. Et maintenant, j'aimerais bien donner la parole à Monsieur Michel Catalin, directeur de notre partenaire Alliance Europe, et je crois qu'il est à Nantes en ce moment. Donc, Monsieur Catalin, c'est à vous maintenant, vous m'entendez, c'est à vous. Et au revoir. Je vous entends bien, je vous remercie, et je voulais également remercier tous les participants pour la qualité de leurs interventions et pour la qualité du débat. Remercier également la Fondation Genshagen pour l'organisation de ce débat, de cette table ronde, et puis la confiance de Martin Koopman et d'Angelika Elder pour avoir associé Alliance Europa et pour m'avoir demandé de faire ces conclusions. Alors, j'ai peu de temps, je vais essayer d'être bref, ce qui est toujours un exercice difficile pour un universitaire. Donc, peut-être me reposer quatre questions par rapport au débat qui a eu lieu. Et quatre questionnements. D'abord sur la nature du voisinage, sur ce qu'on appelle voisinage, parce que les interventions de nos invités ont bien montré que finalement on pouvait mettre beaucoup d'éléments derrière ce terme de voisinage, qui est un élément naturel de proximité. J'allais dire, on est tous voisins de quelqu'un, quelle que soit l'étude spatiale ou l'échelle spatiale que l'on prend, puisqu'être voisin, c'est en fait être contigu de l'autre sur un territoire. Mais sachant que finalement, le voisinage, ce n'est pas forcément une bonne chose, même si les êtres humains mettent toujours beaucoup d'espoir dans le voisinage, notamment avec d'autres individus. Le petit film de tout à l'heure nous a bien montré que toutes les personnes interrogées mettaient comme référence au voisinage le respect, la tolérance, voire pour certains même aller vers de véritables échanges, vers la recherche d'une véritable cohésion, donc aller vers une amitié, quitte à franchir d'ailleurs la limite entre voisinage et amitié, puisqu'être voisin, ce n'est pas forcément être ami. D'ailleurs, si vous vous amusez à taper le nom voisinage sur Google, vous verrez que vous tomberez d'abord sur les troubles du voisinage et sur les embêtements entre voisins, et non pas malheureusement sur les qualités que l'on peut donner à la relation de bon voisinage. D'ailleurs, il est intéressant, je vous le rappelle, de voir qu'en droit international, un bon voisin, c'est celui qui respecte et qui observe le droit et pas davantage, ce qui montre bien également la limite de la notion. Et puis j'allais dire à la limite qu'on a tous connu d'excellents voisins, mais justement on ne les connaissait pas parce qu'ils ne nous embêtaient jamais et c'est pour ça qu'ils étaient bons. Donc tout ça pour dire que ce terme de voisinage, j'allais dire, montre toute une diversité, toute une palette et que finalement ce voisinage est souvent insuffisant pour définir les relations, notamment les relations que l'on a au sein de la construction européenne et de l'Europe, puisque vous l'avez dit tous, finalement, la construction européenne, l'intégration européenne, c'est justement d'aller au-delà du simple voisinage, de construire des liens pérennes, des relations pérennes, de faire communauté, moi j'ai toujours beaucoup aimé ce terme de communauté, de partager un destin, de partager des valeurs, de partager des politiques, même de partager des éléments de souveraineté, même de traverser les frontières sans contrôle et sans montrer ses papiers, ce qui montre bien que nous avons désormais une vie collective qui va bien au-delà d'un simple voisinage. Je voudrais dire d'ailleurs, et vous l'avez dit à un moment, que nous partageons même de manière égalitaire des vaccins. Donc nous avons placé aux mains de l'Union européenne un élément essentiel de notre survie collective dans l'avenir, ce qui montre bien que nous sommes bien plus que de simples voisins. Et nos relations vont beaucoup plus loin que le simple bon voisinage. D'ailleurs, comme Madame Nogaret l'a dit,
Nous avons tous désormais la volonté également de partager un espace public européen. C'est bien le signe que l'on veut aller toujours plus loin dans cette intégration européenne et donc qu'il y a nécessité de partager des outils de communication, des outils d'échange pour nous porter bien au-delà d'un simple voisinage. Une autre des preuves, et ça a été dit notamment par notre participant polonais, et également par M. Petit, c'est que nous avons également maintenant des voisins communs. Et si nous avons des voisins communs, c'est bien que nous nous considérons comme une organisation qui va bien au-delà d'un simple voisinage, comme un ensemble cohérent. Et d'ailleurs, les autres, et on a tous fait l'expérience de voyage en dehors de l'Europe, les autres nous considèrent comme un tout et comme quelque chose de groupé. Et c'est désormais une évidence pour les autres et c'est bien la preuve que nous formons un ensemble cohérent. Je signale d'ailleurs que cette politique de voisinage que nous avons lancée il y a une vingtaine d'années avec nos voisins du Sud et de l'Est avait une finalité très ambitieuse et allant bien au-delà de la simple définition juridique du bon voisinage, puisqu'il s'agissait notamment de bâtir un espace de prospérité, de partager des politiques, de même partager un espace de sécurité commun. Et donc cette politique de voisinage que l'Europe a voulu entretenir depuis 20 ans était bien plus ambitieuse que celle d'un simple bon voisinage, ce qui d'ailleurs explique les réticences, et Mme Nougaret le sait bien, notamment du voisin russe, qui a toujours vu avec grande méfiance cette politique de voisinage.
Ja, lieber Michel Catala, vielen Dank für Ihren Kommentar, der nochmal sehr schön zusammenfasst, was wir uns vorgenommen haben mit unserem Schwerpunktthema und was wir auch weiterhin in den verschiedenen Runden besprechen wollen. Vielen Dank für Ihre Worte und auch für Ihre Partnerschaft mit Allianz Europa. Meine Aufgabe ist es nun, Ihnen allen, den Beteiligten und den Gästen unserer Veranstaltung Kernkompetenz Nachbarschaft, eine Zukunftsfrage für Europa, sehr herzlich zu danken. Wir alle wissen, bei Online-Veranstaltungen halten wir nicht so lange aus und deswegen hat Christoph Bartmann als Moderator auch sehr auf die Zeit geachtet, denn man guckt weniger lang auf so ein Screen, wie man das vielleicht bei uns im Saal gemacht hätte. Vielen Dank, Nathalie Nogaret, Sylvie Amar, Jacek Kanowski und Michael Minkenberg für Ihre Beiträge und nochmal Christoph Bartmann für die Moderation. Das war ein großes Vergnügen, Ihnen allen zuzuhören. Ich danke auch allen Beteiligten, allen Gästen für die interessanten Fragen und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke den Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die uns die Sprachen des Weimarer Dreiecks zugänglich gemacht haben. Denn genau diese Vielsprachigkeit ist ja das, was natürlich in einem paneuropäischen Medienraum und manchmal schwierig ist. Auch hier nur wenige von uns sprechen alle drei Sprachen des Weimarer Dreiecks. Ich danke Ihnen allen da draußen in der Welt für Ihr Interesse, für Ihr Zuhören, Ihre Geduld. Lassen Sie uns weiter an der Nachbarschaft in und für Europa mitwirken. Alles Gute und einen schönen Abend. Dankeschön.